Subscribe to our channel. Tout ce que j'avais un petit peu sur le cœur, je vais vous le dire. Donc pour moi, le plus dur, ça n'a pas été vraiment le fait qu'Honoré arrive et qu'il veuille la place de chef. C'était pas ça le plus dur. Pour moi, le plus dur, c'est vraiment que bah, quand la veille, avant les élections de chef, il y a Maëva, Océane, je les voyais bizarres. Dans le jardin, elle faisait des réunions en cachette, elle faisait des trucs bizarres, des trucs pas des trucs que des amis font, tu vois. Et je doutais, je me suis dit non mais, enfin, je vois pas pourquoi l'intérêt de faire ça, de pas me le dire. À la limite, si tu veux changer de chef, tu en as marre, c'est un choix, tu peux venir me voir, me le dire, tu vois. Ça fait 5-6 ans qu'on fait des aventures ensemble, bon, ça fait maintenant plus de 10 ans. À chaque fois, on se dit des choses en face. Et ça m'a un peu fait du mal de les voir faire des réunions comme ça, un petit peu en traître, parler, papa, se renfermer dans les chambres. Moi, ça fait 11 ans que je suis à la télé, je connais. Je voyais les caméras dans une chambre, là-bas, cachées. C'est bizarre. Peut-être qu'ils me font une blague, peut-être qu'ils veulent me faire une blague, mais ça va pas se passer, tu vois. Et puis dans la soirée, il y a Maëva aussi qui vient de me voir. T'inquiète pas, Julien, on te trahira jamais, on fera jamais ça. Enfin, le lendemain, je suis pas chef. Je comprends pas. Vraiment, j'ai pas compris. Tu vois, ok, il y a 40 minutes d'épisode, mais il faut pas oublier qu'on est filmé tout le temps, non-stop. Donc, il s'en est passé des discussions, on a dit des choses. Tu aurais pu venir me voir, me dire, voilà, écoute, moi, je veux changer, je veux changer de chef, j'aimerais bien essayer quelqu'un d'autre. Ça va, j'ai 30, bientôt 35 ans, je peux comprendre, tu vois. Mais faire ça en traître et tout, ça m'a vraiment fait du mal. Ça m'a vraiment. Je me suis senti trahi, tu vois. Même, allez, tu veux pas le dire devant la caméra. Les caméras, la nuit, elles s'en vont. Tu peux venir me voir en off, me dire, voilà, frater le coup, tu te dis la vérité, je vais faire ça, nanana. J'ose pas le dire devant la caméra pour le suspense, pour ci, pour ça. Ok, mais dis-moi-le, tu vois. Et à la limite, Océane, ça va, j'ai pas trop d'affinité. On sait qu'elle, elle va un petit peu où le vent l'amène. Tu vois, si elle peut gratter 2 jours d'aventure, on connaît. Elle gratte. Mais Maëva, c'est sorti de nulle part, tu vois. Et franchement, heureusement qu'il y avait Greg qui était là pour moi. Franchement, Greg, il me soutenait tout le temps. Voilà, tout le temps. Matin, midi, soir, on rigolait ensemble. On était tout le temps ensemble. Il manquait aussi pas mal de fratés à moi. C'est dommage. C'est vrai que dans cette aventure, j'aurais eu besoin d'eux. Malheureusement, ils n'étaient pas là. C'est comme ça. Et voilà. Donc, du coup, vraiment, je me suis vraiment senti trahi. Et le lendemain, franchement, j'avais qu'une envie. Enfin, même sur le coup. Déjà, sur le coup, quand je suis éliminé, j'avais qu'une envie, c'est de partir. Toute la maison ne voulait pas que je parte. Ça m'a fait chaud au cœur. J'étais content. Mais au fond de moi, j'étais plus là-dedans. J'étais vraiment déçu. J'étais vraiment dégoûté. Et franchement, ça fait partie de l'un de mes plus mauvais souvenirs de cette année 2022, les gars. Mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce que je vous avais promis. Je n'avais jamais réagi par rapport à tout ça. Et pour moi, ben, c'est simple. C'est pour moi une déception, pas vraiment une déception, mais une trahison. Bon, maintenant on s'est expliqué, on a parlé, mais sur le coup, vraiment, j'étais très très déçu de la part de Maëva et d'Océane, mais surtout Maëva. Et vraiment, c'est pas le fait de ne plus être chef, c'est vraiment juste viens me voir, tu me dis, tu vois, tu me dis, voilà, Julien, je pense que je vais pas te mettre chef, mais me dis pas, je te jure, jamais, je te trahirai, nanani. Voilà, les fratés. C'est comme ça, c'est la vie. Et vous savez quoi, je vais même vous dire même mieux. Bah dans la vie, c'est dans les trucs comme ça qu'on apprend. Et ça m'a fait grandir. Voilà. Je pense que c'est un mal pour un bien. Et du coup, mon année 2023, elle va être déterre. Là, je peux vous dire, les gars, que ma confiance, déjà que je la donnais pas facilement, mais alors maintenant, c'est chaud. Allez, mes fratés, on est sur Snap. Bonne année à tous, bonne santé, meilleurs vœux. Voilà, tout ce que vous souhaitez, que Dieu le réalise pour vous, que tout ce qui était pas bon en 2022 devienne bon en 2023 pour vous, mes fratés. Je vous et voilà, j'espère continuer en 2023, vous donner de la joie, de la bonne humeur sur vos écrans télé, parce que ce n'est pas fini. Voilà, 2023, on va bosser, j'ai plusieurs tournages prévus, il y a du lourd qui arrive, on se voit à la télé, see you soon, il y en a assez, je vous aime. Alors mes fratés, je vous avais promis de réagir à ce qui s'est passé dans le cross. Donc voilà, je pense que je vais un petit peu m'exprimer là.
Tout ce que j'avais un petit peu sur le cœur, je vais vous le dire. Donc pour moi, le plus dur, ça n'a pas été vraiment le fait qu'Honoré arrive et qu'il veuille la place de chef. C'était pas ça le plus dur. Pour moi, le plus dur, c'est vraiment que bah, quand la veille, avant les élections de chef, il y a Maëva, Océane, je les voyais bizarres dans le jardin. Elle faisait des réunions en cachette. Faisait des trucs bizarres, des trucs pas des trucs que des amis font, tu vois. Et je doutais, je me suis dit non, mais enfin, je vois pas pourquoi l'intérêt de faire ça, de pas me le dire. À la limite, si tu veux changer de chef, tu en as marre, c'est un choix, tu peux venir me voir, me le dire, tu vois. Ça fait 5-6 ans qu'on fait des aventures ensemble. Santiago, aujourd'hui l'école ça s'est bien passé, mais il est fatigué, il veut faire un gros dodo, hein? Hein, papa? Il veut faire un gros dodo? Et ouais, le pauvre, pendant les vacances, il s'est couché tous les soirs à 21h, il se réveillait le matin à 10h, les grasses mat, pas les grasses mat. Ce matin, réveil 6h45, ça a piqué. Et c'est la rentrée D'abord, 2020. je fais une petite pause pour vous demander conseil. Voilà. Je viens de demander à ma pédiatre en France, parce que voilà, c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance et qui est vraiment une très très bonne pédiatre depuis que Thiago est né. Mais bon, au cas où vous aussi ça vous est déjà arrivé, que vous ayez une idée. En fait, Angelina, bon, ça fait quelques jours qu'elle tousse un petit peu, mais pas très malade, quoi. Juste des petites quintes de toux de temps en temps, mais vraiment pas grand-chose. Là aujourd'hui, par contre, donc elle a eu la fièvre un petit peu aujourd'hui et beaucoup ce soir. Et ce matin, à l'école, quand je l'ai récupérée, elle faisait ça. Je me suis dit, ça doit être une dent, voilà, sachant qu'elle ne le fait jamais. Et là, je rentre à la maison, donc elle est bouillante de fièvre, elle est vraiment KO, elle est vraiment pas bien. Et elle hurle, incalmable pendant au moins 1 heure. Et elle saignait de la bouche. Donc je ne savais pas d'où ça venait. Je ne sais pas si c'est une dent qui perce. Est-ce que quand une dent perce, ça peut saigner? Je pense pas, parce que je pense que c'est vraiment progressif. Et j'essaye de voir du mieux que je peux, bah, parce qu'elle pleure et que. Bon, là, elle s'est calmée, hein. C'est pour ça que je prends 5 minutes pour vous parler. Et au cas où que, je sais pas, des fois, quand je vous pose des questions, il y a certaines mamans, par exemple, quand c'est des questions pour les enfants, mais des fois même d'autres choses, où en fait, c'est des choses auxquelles j'ai pas forcément pensé. Quand je regarde dans sa bouche, j'ai l'impression que c'est la joue qui saigne. Donc, autant c'est la dent et ça, le sang est venu dans la joue, autant c'est vraiment la joue. Et ma pédiatre m'a dit qu'un aft pouvait donner de la fièvre. Donc, c'est aussi peut-être ça. Ou alors, si c'est pas un aft qui saigne et si c'est pas une dent, je pense pas qu'elle se soit mordue la langue, qu'est-ce que ça peut être? J'arrive pas à. En fait, elle veut pas ouvrir la bouche. Donc, je vois un peu de sang, je vois que c'est un peu blanc dans la joue et je vois pas le reste. Donc, voilà. Donc là, ça saigne plus pour l'instant. Elle se plaint plus trop. Donc, je vais essayer de l'endormir et de lui faire passer une nuit à peu près normale. Et puis, sinon, bah, je vais devoir l'emmener aux urgences cette nuit. De passer 1 ou 2 heures là assez tumultueuse, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais donc là ça va assez calmer. Et regarde la para demi-quête tranquille sur le canapé avec sa nanny, donc ça me laisse un peu de temps pour organiser ma nuit vu que je pense que je vais dormir avec elle. Du coup, Julien dort avec Thiago. Voilà, mon chéri, il est rentré aujourd'hui et on est déjà de nouveau séparés, mais bon, quand c'est pour les enfants, il n'y a aucun problème.